I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. I'll carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. You know it's not forever, but for a little while. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little Lucifer, the day's yet to come. Little Lucifer, Lucifer, little Lucifer, and miles to walk. You're here 'cause you make a difference, so go against the flow. As you and your wild-heart sister running further down the road, let the bullies beg for forgiveness, keep the punks under the thumb. Let's dance with the dandelions while they sing your song. Ça y est, le trail rejoint le Colorado Trail. Ça va être un boulevard pendant des kilomètres et des kilomètres. Je suis content. C'est un chouette milestone. Qu'est-ce que tu fais là? Passe-passe. Matin. 3600 mètres. Ça réveille. Ça ouvre les poumons. Là, on voit les montagnes Colorado du Nord. J'ai passé il y a quelques jours et... Et là, on voit la suite du programme. Yes! Ouais! Ça grimpe. Mais c'est c'est dingue. Prochaine étape. Là, quelque part. Je viens de passer, elle passe, 3700 et quelques. Je continue à marcher sur la crête. Tout est vert, tout est ouvert. Ça roule. Le Colorado Trail, franchement, c'est un tapis. Magnifique. Ouh!
quand les trois trails se rejoignent. CDT, frontière du Canada au Mexique, American Discovery Trail, Est-Ouest et Colorado Trail. Je suis juste devant la poste de Leadville où je vais récupérer un colis qui m'a été envoyé par deux amis à moi, des amis qui sont en Suisse, Dave et Janine. Et c'est la première fois depuis que je marche aux États-Unis qu'on m'envoie un colis depuis l'Europe. Et je suis assez excité, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai toujours été envieux et jaloux des Américains qui reçoivent des colis de leur famille ou de leurs amis. Et moi, c'est mon premier, donc je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, ils savent. Wow. Merci beaucoup. Je suis trop content. C'est mon premier colis depuis l'Europe. Ouais, c'est un couple que j'ai rencontré pendant mon PCT en 2019. Et voilà, ils savent ce dont j'ai besoin. Et j'ai reçu des ziplocs, j'ai reçu de l'huile d'olive. Enfin bref, plein de conneries, mais qui m'ont droit au cœur. Donc merci beaucoup, ça me touche énormément. Là actuellement je suis à Leadville, une ville minière du Colorado. C'est la ville la plus haute des États-Unis. Et c'est assez spécial parce que c'est une ville où j'ai déjà été. C'est la première ville où je me suis arrêté après avoir décidé de quitter le trail dans ma tentative sud-nord. Et j'étais à Creed et j'ai fait du stop où je suis venu rejoindre des amis ici. Et donc, c'est la première fois où je reviens à un endroit où j'ai déjà été lors de ma tentative Nobo. Donc, c'est assez spécial. Ça veut dire que je suis pas loin du tout de là où je me suis arrêté. Ça fait une impression assez, assez particulière. Ouais. Donc, là, je m'arrête pour l'après-midi, je repars demain matin. Il y a des orages de prévu. Je sais pas trop, parce que là, je suis haut, hein, je suis à plus de 3000 mètres. Je vais probablement être à plus de 3500 pendant quelques temps. Les orages à cette altitude-là, c'est jamais une bonne nouvelle, mais voilà, j'avance. Je suis à peu près au milieu du Colorado. Et très excité de revenir ici et de me rendre compte que voilà, je vais bientôt relier le chemin. Mais ce sera pas à la fin puisque j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de cette traversée, mais ça fait quand même quelque chose. Ouais, c'est parti. Hein. Moi, Albert. Sommet du jour, le sommet le plus haut du Colorado et le deuxième sommet des États-Unis. Il est à 4401 mètres, je crois. Et c'est mon objectif du jour. Ouais, j'ai à peu près, je sais pas combien exactement de montées là, mais un bon paquet. Le but, c'est d'arriver au sommet de cette montagne à 4400 mètres. C'est parti. Cette fois-ci, je ne vais pas suivre le CDT, mais Mont Albert. À plus tard, sur le sentier en direction du Mont Albert. Je viens de quitter le Colorado Trail, le CDT, l'espace de quelques heures pour aller gravir le sommet du Mont Albert, qui est le point culminant du Colorado, de mon trail en entier et le second sommet des États-Unis à 4401 ou 2 mètres, quelque chose comme ça. Voilà, une bonne montée qui a bien tabassé les jambes et la tête. Je viens de passer les 4000 mètres et je le sens bien. Un peu moins de souffle sur le toit du Colorado.
Ascension finale. Sommet juste là, à peu près à 400 mètres de dénivelé. 400 mètres de D+ encore. Je vais aller le chercher là, mais ça pique. Bon caillou pour finir. C'est très rocky, c'est très très pentu, très très caillou. Ça monte tout droit. Oh ouais, je vais la chercher celle-là. Allez, oh putain, j'en chie, j'en chie de ouf. Mais oui, Julien, t'as raison. Après 4000 km à pied, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Ben, un sommet à 4400, ça c'est franchement une idée qui est géniale. Oh là là, mais... Oh, ouf, oh, quelle belle idée. Did it. Bon, je viens de quitter le sommet. Et mauvaise nouvelle, il y a un orage qui arrive. Commence à neiger là. Et l'orage vient juste de fléter au-dessus là. Donc je vais vite me dépêcher de redescendre. Parce que là, je suis plus qu'exposé. 4400 là. J'ai une cible facile là pour les éclairs. C'est entre la neige et la grêle là. Voilà, fin de l'orage. Ouf. Un peu de grêle, pas mal de vent, de la pluie. Et ça a pété, mais ça a pété plutôt sur la montagne d'à côté, donc j'ai été chanceux sur ce coup-là. Et en face, c'est Twin Lakes, voilà, suite du programme. Tout là en bas, je sais pas si on voit d'ici, c'est un peu embrumé, mais vers là, il y a les villes. J'ai marché, je suis monté jusqu'au sommet là. Et voilà, retour sur le sentier, sur le CDT. Merci le Mont Albert. C'était quelque chose. Passer une rivière sur le Colorado Trail est plutôt agréable. Voilà, bonjour monsieur, bonjour madame. En vous remerciant. Il est 7h du matin, je quitte Twin Lakes et je démarre ma journée avec un col à 800 mètres de dénivelé positif. Donc c'est une journée qui s'annonce bien. Hier j'ai fini avec plus de 3000 de D+ dans les jambes. C'est une journée vraiment intense et je me suis écroulé au milieu de la forêt. Voilà le pass du matin, le soleil qui se lève. Ce matin, je suis parti de Twin Lakes, tout en bas là, à peu près à 800 mètres à la verticale. Et j'ai grimpé à travers cette forêt. Et là, je me retrouve presque dans un cirque. Le pass est juste là. Hop, passe. Hop là. Je sais pas que j'en chie. Le programme maintenant c'est Collégiate West. Rester sur ces crêtes et ouais, me faire plaisir dans la montagne. Là. Oh là là. C'est incroyable. Je suis un peu cassé. Je pense que le Mont Albert hier et ses,
son bon dénivelé m'a bien scié les jambes, mais ça restera une partie dont je vais continuer à être fier. Je suis content d'avoir pu monter à ces 4400 et quelques mètres. C'est très symbolique pour moi, pour différentes raisons. Et ouais, je suis content de continuer dans les montagnes. Je suis un peu vaseux en ce moment. Je vois pas beaucoup de monde, donc j'ai du mal à parler. C'est beau. Deuxième passe du jour, Lake Ann Pass. Je viens de tout là en bas. Je pense que il va falloir quelques jours avant de pouvoir faire une vidéo où je ne suis pas essoufflé. Allez, je... Ça monte aujourd'hui. Encore et encore. À 3005, l'effort est pas le même que dans la vallée. J'ai du mal à reprendre mes souffles, mais ça va. Dernier mètre, mais cette montée, elle fait mal. La vue est splendide, mais j'en profiterai en haut. Là j'en suis, quoi. Là, je te m'en parle. J'en suis vraiment. Deuxième passe du jour. Oh. Celui-ci m'a fait mal. Aux jambes. Pas aux yeux. Oh là. C'est le plaisir d'arriver en haut. Tu veux voir? Allez. Voilà d'où je viens. Tout là en bas. On voit mieux d'en haut ce que représente une bonne montée. Yo! Tellement être un excellent caméraman pour pouvoir capter l'atmosphère de la nature ici. Pouh. Je viens de là-haut, je descends dans la vallée là, avant d'attaquer un dernier pass aujourd'hui. Alors, il y a trois au programme, et là je suis tout sourire, c'est incroyable. Je m'en parle. Voilà, toujours en montée. Finir ma journée avec 800 mètres de dénivelé de la pluie. Check. J'ai l'impression de parler que de dénivelé. Mais c'est un peu l'ambiance du moment. Thank you.
trail.